Les amis, nous sommes dans la voie du guerrier. Après avoir vaincu la voie du fabricant de masques et la voie du chasseur, on est arrivé enfin à la dernière zone en fait, hein. La voie du guerrier. Donc on va affronter le guerrier, je pense, si c'est comme les autres voies. Donc on a tout traversé dans l'épisode précédent si vous voulez voir comment on y arrive. Et je compte sur vous mettre un petit like pour ce combat qui va sûrement être compliqué une nouvelle fois. On sonne la cloche, ok. Ah, l'esprit du guerrier vient de sortir de la cloche. On va pouvoir aller le combattre. Hein. Ils sont extrêmement classe par contre les boss. Hein. Je remarque. De dojo. Ah, on lui a fait tomber son chapeau. Ok. Le guerrier. Est-ce que si je tire dans cette... Oh, pas trop. Oh, j'ai raté le coup. Il est assez lent, j'ai l'impression, mais il fait très mal. Oh, quand il fait ses petits dashs là. On allie l'arc et... Par contre il est lent mais il est résistant. Ouf. Allez, je pense que lui c'est vraiment un combat d'endurance. Il faut faire très attention. Allez. Je sais pas s'il a plusieurs phases. Là on se protège. Boum, attaque spéciale. Ça en général ils aiment pas. Ok, je pense avoir compris ses phases, je sais pas s'il va en avoir d'autres. Probablement. En tout cas, il lui reste plus trop de vie. Allez, on y est presque.
Écoutez, je pense que pour l'instant ça va. Le problème qui m'a même pas touché pour l'instant. On va pas crier victoire trop vite. Mais je pense que c'est plutôt bien parti. Et bah voilà. Imperfect. Bah franchement, je pense que c'est le plus simple des trois. On a découvert du coup la troisième relique, le sceau du village. Nouveau chapeau de redisponible, le chapeau du guerrier. Ah, c'est bien plus joli quand c'est... regarde ce joli cerisier japonais, magnifique. Et on a récupéré pas mal de rots. Bah ça c'est cool. Ouais, je pense que c'était vraiment le plus facile, donc j'ai dû les commencer un peu dans l'ordre du pire au plus facile, parce que... le fabricant de masques était le plus dur, ensuite le chasseur et ensuite le guerrier, le plus simple pour moi. Nombreux sont ceux qui ont sonné cette cloche durant un voyage de réflexion, dans l'espoir de demander conseil à nos ancêtres. Alors que notre village était en difficulté, Toshi a trouvé peu de réponses ici. Ok. Donc on a toutes les reliques pour aller voir Toshi. On va méditer pour prendre toujours un peu plus de vie. C'est dire ce que je pense que le combat final va être compliqué si on récupère autant de vie à chaque fois. Est-ce qu'on peut se téléporter du coup? Je vais utiliser le masque pour voir s'il n'y a pas un truc de caché, mais on va ressonner la cloche pour voir. Au moins, il n'y a pas de boss qui arrive. Alors, cherchons un peu un truc pour se téléporter ou pour au moins revenir en arrière. Ah, voilà. Juste ici. Eh ben, on va pouvoir aller directement à la... dans le hall du chef de village. Attends, passons par le centre du village déjà. On va faire une petite halte. Pour aller acheter nos nouveaux chapeaux. Qu'on a gagné. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Masque des enfants, on l'a déjà. Le masque du chasseur. Très très beau masque du fabricant de masques et le masque guerrier. Ces trois là ils sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup blanc comme ça. Du coup, bah on va regarder si on a des petites améliorations à faire. On a 585 billes d'esprit, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Soit on prend ça, maintenez L2 et R1 appuyé, donc c'est la bombe imprégnée de Rot, ça permet de ralentir les ennemis. Soit on prend la double bombe, je pense qu'on va prendre la double bombe. Et ça, qu'est-ce que c'est? Lancer une attaque lourde avec un timing précis pour afficher des dégâts massifs. Ah, moi le timing c'est pas trop mon truc. Hein. Je pense qu'on va partir là-dessus. La double bombe, ça me dit pas mal. Ok, on est bon. Je regarde un petit peu au niveau des rods qui me manquent. Ouais, dans les champs, j'ai vraiment pas tout trouvé. Hein. Village, il m'en manque encore beaucoup aussi. Celui que j'ai fait le mieux, je pense, c'est au début. La montagne de Ruzu, je me suis pas mal appliqué. Mais j'y étais retourné, hein, en dehors des let's play. L'arbre de tarot, pareil, il manque beaucoup de choses. Et la montagne, apparemment, il n'y a rien à trouver. Ok. Si on regarde au niveau des esprits, Adira et Toshi du coup. Ils sont vachement beaux les masques, franchement ils se sont vraiment appliqués sur les... sur les dessins et tout. Hop, on se téléporte au hall du chef du village.
Par contre, est-ce que du coup, on va enchaîner un combat ou pas? Je crois. Hein. Donc là, il y a les trois reliques. Par contre, c'est vraiment la... Je sais pas si c'est le combat final, mais c'est très 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 classe. Interagir. Your will is strong, spirit guide. The power of the mountain shrine is mine. I took it to save my people. It's time, Toshi. Let go, and we can restore your home together. You wanna challenge me? Come! Et donc on affronte Toshi Corrompu, le chef du village. Je connais pas sa difficulté, mais je pense que c'est compliqué aussi. Ah, il esquive, mais... Wow. Wow. Oh d'accord, qu'est-ce qu'il fait? Il me renvoie mes... Et des bombes. Aïe. Est-ce que les bombes... Ok, il vient de se téléporter, le gars. Je ne sais pas où il est. D'accord, il nous balance des bombes comme ça aussi. Là, j'ai fait un bon coup. Là. Ah, elle est pas mal. Ah, gars. On avance, on avance. On regarde où il y a de la vie aussi parce que... Aïe. Je vais en prendre, non? Wow, c'est quoi ça? Oh. Aïe, d'accord, ok, j'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait très mal. Aïe 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 aïe. Oh, d'accord, je suis mort. Nouvel essai les amis, j'étais vraiment un poil de fesse de le battre dans l'essai d'avant. Je pense que je dois être au... Allez, 7ème essai. Il est pas simple, vraiment. Il est pas simple, on va pas se mentir. J'ai vu sur Twitter que les boss faisaient... Je faisais rager beaucoup de gens, hein, franchement, moi-même. J'évite de rager parce que j'enregistre, je vais pas me casser les oreilles non plus, mais on va pas se mentir, hein, ce sont des boss très grisants.
Ah d'accord. Non, il s'en fout. Il s'en fout de ça. Il se protège, le mec. Bim. Alors là, il a bien éclaté mon bouclier, cet enfoiré. Mais je t'en ai mis plein la tronche quand même. Allez, on continue. Faut pas qu'on oublie qu'on a nos deux points de vie sur les côtés là, deux potions là. Sauter, esquiver quand il fait ces espèces d'invocations de malheur. Allez, on attend que le bouclier se recharge bien comme il faut pour pouvoir lui faire un petit dash. Bim. On l'a bien amoché, c'était propre, c'était bien. Il risque de mettre une petite savate. Non, ça va. On a esquivé. Là, je pense qu'il faut mieux le dasher quand il fait comme ça. Allez, on lui met ce qu'on peut. Il y a de plus en plus, j'ai l'impression. On lui a fait très mal. Regardez sa vie. On s'esquive. Je pense que cette fois va être la bonne. Par contre là, ça va pas être drôle. Il va falloir esquiver les amis. Il a pas fini. On va le dasher. On a raté le dash. Oh le petit. Oh magnifique. Le petit compte pour finir, on l'a eu, ça y est. Je dirais 8ème essai. Pour être franc avec vous, 8ème essai. Ouais, 7 ou 8, honnêtement, je sais plus trop. 8ème essai, on va dire. Pas grave. Pas facile, ce petit boss. Mais écoutez, on l'a eu, c'est parti. On utilise le rot. Et on va libérer Toshi. Parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même le chef du village qui est là, qui est possédé. Et on va pouvoir le libérer enfin. Together, the rot are quite powerful, but I have faced them once before. You may think you know these creatures. Let me show you their true nature. Confronter Toshi au temple de la Mondraine. Mais c'est un truc de ouf, il nous a pris nos rots. On a plus de rots. Attendez, j'essaie de faire une. Ah non, on a plus les rots qui sont avec nous. Oh l'enfoiré. Et donc là, faut continuer, d'accord. Ah, mais c'est chaud.